matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi 24 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. J'ai pigé aujourd'hui 4e chakra, archange Raphaël. C'est l'amour, la compassion et l'acceptation de soi-même, mais cette carte je l'ai pigée à l'envers. Alors, auriez-vous quelques petits problèmes au point de vue de votre petit cœur? Cette carte, eh bien, à l'envers, elle indique des blocages. Vraiment, de gros blocages empêchent l'énergie de votre cœur, eh bien, de circuler librement. Qu'est-ce qui bloque votre petit cœur? C'est peut-être, si on recule en arrière, c'est peut-être la cause d'un vieux sentiment d'abandon que vous avez, ou d'un chagrin, peut-être, qui a été causé par une peine d'amour, et Dieu sait qui date il y a longtemps, que vous n'arrivez pas peut-être à faire votre deuil, alors que ce soit récent ou non, n'est-ce pas? Cette énergie bloquée vous empêche de vous aimer et d'attirer l'amour des autres. Encore une fois, n'est-ce pas? Si on ne s'aime pas, on ne peut pas être aimé. Et elle peut aussi créer une tristesse sous-jacente qui imprègne votre vie. Cette carte, n'est-ce pas? Elle vient vous dire, elle vous invite à guérir. Il est temps de guérir ces vieux blocages qui ne vous servent plus à rien et à passer à autre chose. Je sais que quand notre petit cœur a souffert, il est difficile de faire le deuil. Mais vous devez y parvenir parce que vous ne saurez pas avancer sans cela. On vous demande de ne pas vous fermer, de fermer les yeux sur votre chagrin en prétendant qu'il n'existe pas. Oui, il existe. Accueillez ce chagrin. Accueillez-le pour le faire partir. Accueillez-le. Exprimez-le plutôt dans, pourquoi pas sur une feuille de papier, dans votre peut-être journal intime si vous en avez un, et libérez-vous avec l'intention d'être clair, heureux et de vous aimer. Il est important de vous libérer de ce poids énorme. Ce sont des vieux schémas que vous avez peut-être pour certains d'entre vous, ce sentiment d'abandon. Méditez sur, eh bien, sur la lumière qui devient de plus en plus intense dans votre cœur et demandez à notre bel archange Raphaël de vous aider à le guérir et à lui apporter de la clarté, à vous soutenir. Demandez à Raphaël de vous montrer comment vous pouvez faire ce deuil, ce lâcher prise sur ce vécu.
Demandez-lui son aide. C'est comme les anges, les archanges, si on ne les sollicite pas, ils ne viennent pas à nous. Donc, demandez. Aimez-vous. Ça, c'est la première chose. Aimez-vous et donnez-vous. Eh bien, pourquoi pas vous donner l'approbation que vous aviez besoin de recevoir des autres auparavant? Vous n'avez pas besoin d'attendre l'approbation des autres. Des autres. Donnez-vous l'approbation. Et vous allez guérir. Et redevenir heureux. Soyez-en certains. Faites ce travail pour y arriver. Et vous y arriverez. On peut toutes et tous soulever des montagnes à partir du moment où on le veut. Et quand on le veut, on peut. N'oubliez jamais ça. Waouh! Affirmation pour aujourd'hui. Mon quatrième chakra, qui est le cœur, n'est-ce pas, est parfaitement, sainement et joyeusement ouvert. Et l'énergie de l'amour circule dorénavant en moi. Je vis dans l'amour. Je répète. Mon quatrième chakra, c'est-à-dire mon cœur, n'est-ce pas, est parfaitement, sainement et joyeusement ouvert. Et l'énergie de l'amour circule dorénavant en moi. Je vis dans l'amour. Waouh, quel message aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, je vais tirer une carte pour le message de ton âme. Et aujourd'hui, semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Je vous souhaite une très jolie journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.